On se retrouve aujourd'hui pour une séance où on va faire travailler les fesses. Et cet entraînement va se passer entièrement au sol, avec et sans élastiques. Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur 50 ans belle et rebelle. Pour cette séance, je vous propose de me suivre. 30 secondes de travail suivies de 30 secondes de récupération, pendant lesquelles je vous montre l'exercice suivant. Et aujourd'hui, on va travailler avec cet élastique. Un petit coucou à mes abonnés fidèles, merci d'être avec moi aujourd'hui. Et merci pour tous vos super messages que vous m'écrivez. Si vous n'êtes pas encore avec nous, alors je vous propose de vous abonner et de cliquer sur cette petite cloche. Elle vous informe de la sortie des vidéos. Un petit mot aussi sur la méthode AquaActive dont je suis fondatrice. Ce sont des exercices de renforcement musculaire pour tout le corps et essentiellement les muscles profonds. L'incroyable avantage de cette méthode est qu'elle se passe entièrement dans l'eau. Et si vous voulez en savoir plus, je vous propose de télécharger ce guide. Il est complet, je vous explique tout sur AquaActive. En attendant, on est là pour faire du sport. Allez, c'est parti. Allez, on s'échauffe ensemble un petit peu. Même si vous venez de terminer une séance, profitez-en pour une petite pause supplémentaire. Faites des grands mouvements, ça va vous faire du bien et ça va vous faire récupérer. Sinon, ça va aider votre corps à se mettre en marche pour cette nouvelle séance. Allez, on fait tourner son bassin dans un sens, puis dans l'autre. Et un petit peu plus dynamique, on monte ses genoux droit devant. Je vous rappelle que c'est un travail de fessiers, de jambes, alors c'est important de les mettre en route aussi. Cette séance va se passer entièrement au sol. On fera des séquences alternées sans élastique, puis les mêmes mouvements avec des élastiques. Quelques assouplissements. Et vous pouvez déjà vous mettre en place, on se met au sol. Vous voyez le premier exercice. Allez, c'est parti. Vous le connaissez, celui-ci, on l'utilise aussi pour faire du gainage. On est à quatre pattes, on appuie sur les mains. Je ramène le genou sous la poitrine et je pousse loin derrière mon pied. Attention, laissez votre jambe dans le prolongement de votre dos. Respirez avec votre ventre. C'est très très bien, 30 secondes de récupération. Pour celles qui le désirent, vous pouvez augmenter le temps de travail, mais pensez tout de même à garder quelques secondes de repos entre chaque exercice. C'est parti avec l'autre jambe, même exercice. Je ramène mon genou sous la poitrine, je pousse loin derrière. Allez, on ne creuse pas son dos, on le maintient bien ferme grâce à la respiration et les abdominaux bien gainés. Secondes pour souffler, on se détend et prenez votre élastique, on le place sous les pieds. Parti, on fait la même chose. On pousse son élastique vers l'arrière et on utilise la résistance cette fois. Ce n'est pas une question de vitesse, on travaille bien, on a l'élastique qui est toujours en tension. Allez, on s'accroche, ça commence à bien chauffer. Et 30 secondes pour souffler, c'est très très bien. Mmh.
want it, then I want it, yeah, I want it. Oh, I want it, let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the good life. Hit me with it right now, I'm in it. Cause when I want it, then I want it, yeah, I want it. Oh, I want it. On y va avec l'autre jambe. Toujours la même chose, je ramène mon genou et je pousse le pied vers l'arrière. C'est un coup de pied. Allez, on garde un dos bien droit. On utilise sa respiration. Secondes de récupération, vous pouvez poser votre élastique, on reste dans la même position. Allez, c'est un exercice qu'on connaît aussi très très bien. La jambe reste pliée et on monte son genou vers le ciel. On essaye de faire un maximum de répétitions. Un gros travail sur la fesse de la jambe fixe. C'est normal. Allez, on s'accroche. C'est chouette ce que vous faites. Secondes de récupération, on se détend bien. Et c'est parti avec l'autre jambe. On monte bien son genou. Allez, c'est une belle séquence efficace pour vos fesses. Elles seront bien fermes. Et on souffle pendant 30 secondes, très très bien. Reprenez votre élastique et mettez-le au niveau des genoux. Allez, on y va, on fait la même chose, mais cette fois-ci avec la résistance de l'élastique. On pousse son genou vers le ciel. Allez, accrochez-vous, même si c'est difficile. On a commencé ensemble, on va aller au bout de la séance ensemble. Secondes pour récupérer, vous l'avez bien mérité. Allez, je compte sur vous pour rester avec moi. Et on y va avec l'autre jambe, on le monte ce genou, l'élastique retient, c'est très très bien, on est là pour travailler, allez allez. Secondes de récupération, on change de position et on enlève son élastique.
Allez, c'est un exercice connu et facile. On monte cette jambe le plus haut possible et on essaye de faire pas mal de répétitions. Plus votre jambe sera bien tendue et ferme, plus le travail sera efficace. Allez, serrez vos abdos, respirez régulièrement. Et 30 secondes de récupération, le temps de changer de côté. C'est parti, on y va, on la monte cette jambe. Allez, allez, on le sent bien le travail sur les fesses aujourd'hui. Super, 30 secondes de pause, on met son élastique au niveau des chevilles. Aïe, 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 ça va chauffer. C'est parti, allez, on le tire vers le ciel, cet élastique. Attention, retenez la descente, c'est très important. Allez, accrochez-vous si c'est difficile, regardez le chrono, mais ne partez pas surtout, on ne lâche pas une séance en cours. Et 30 secondes pour souffler, on change de côté. Allez, go, on serre les dents, on y va, on sait que ça va brûler, go! Secondes de pause, c'est bientôt fini, il ne nous reste plus qu'un exercice sans et avec élastique. Vous pouvez vous mettre sur le dos. Et c'est parti, on est en appui sur les coudes et sur les pieds, on relève son bassin et on ouvre, on ferme ses jambes. Allez, c'est la fin de la séance, ça chauffe bien au niveau des fesses, c'est normal. C'est super, c'est les dernières 30 secondes de pause. Vous pouvez mettre votre élastique au niveau des genoux.
Et go, c'est parti, c'est les dernières 30 secondes de travail. On lève bien son bassin et on s'accroche, on va au bout des 30 secondes. Magnifique, je vous félicite, une très très belle séance pour vos fesses. Mettez-moi un petit like si vous avez aimé cet entraînement. Et si vous voulez continuer et que votre corps est super chaud, alors je vous propose cette séance. Sinon, terminez par les étirements comme d'habitude. Continuez à m'écrire, abonnez-vous, partagez un maximum tout autour de vous. Les copines vont adorer le bon plan. Et surtout, n'oubliez pas de télécharger votre guide sur la méthode AquaActive. Continuez à prendre bien soin de vous et surtout restez belle et rebelle. Je vous dis à très très vite. Bye bye.